recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Morning Routine. Alors comme vous avez vu, hein, les petites étapes du matin, ce jour-là je me suis réveillée à 6h30. Ça change, hein, ça varie des jours, mais je me réveille naturellement sans réveil. Parfois c'est plus tôt, parfois c'est 5h30, parfois c'est 6h, ça dépend. Une fois que j'ai fait mon café, je me pose toujours et je regarde Plus belle la vie tous les matins. Ça c'est vraiment mon rituel. Il y a des matins où je profite pour bosser avant que tout le monde se lève. Comme par exemple ce matin, il est 6h et je fais cette voix off, je clôture le montage de la vidéo. Voilà, parce que je suis extrêmement productive le matin, mais par contre, il faut rien me demander le soir. Je suis vraiment pas une personne productive le soir. Moi, c'est vraiment le matin, je peux carburer le matin côté boulot. Ce matin-là, je me suis levée un petit peu trop juste pour pouvoir bosser. Là, maintenant, tout le monde est levé. Du coup, je vais en profiter pour m'habiller. Du coup, je sors mes vêtements vite fait. Pour Liam, je lui prépare toujours la veille ses vêtements. Je mets ça toujours dans les petits paniers là. Et comme ça, le matin, dès qu'il a fini son petit déjeuner, il vient et il s'habille. Seul maintenant, parce qu'il est grand. Ensuite, je vais dans la salle de bain. Et là, mes yeux sont suffisamment réveillés pour que je puisse mettre mes lentilles. Parce que je suis une personne très très myope. Donc voilà, j'en profite pour me laver les dents, comme tout le monde. J'aime beaucoup me laver le visage avec cette huile nettoyante qu'on utilise en fait en gel doux. Et je me démaquille aussi tous les soirs avec ça sous la douche et franchement c'est super pratique et la composition elle est nickel. Du coup là ce que je fais le matin c'est que je mets un tout petit peu de savon et je rince mon visage avant de mettre ma crème. Liam, laisse-moi vite passer un petit coup sur tes dents. Ah. Ah. Et ma crème visage que j'aime énormément, c'est celle de la marque Eucérin. Donc ça c'est une crème. Ensuite, tous les matins ce que je fais aussi c'est d'aérer côté chambre. Côté salon j'ai déjà fait un peu plus tôt, mais côté chambre j'attends que tout le monde soit levé quand même. Et j'aère les lits. Avant de bien faire le lit, je l'ouvre et je l'aère. Et je le ferai après en rentrant de l'école. Donc Fadi a vidé la vaisselle et l'a rempli, ça se s'attache du matin. Et moi du coup tous les matins ce que je fais c'est vite fait ranger les coussins, rafraîchir un petit peu la cuisine, mais vraiment en surface, nettoyer les tags de cuisson, nettoyer la table, débarrasser tout ça. Et ensuite, ce qu'on fait aussi tous les matins, c'est de lancer l'aspirateur robot. Et ça, franchement, c'est une pure pépite d'avoir un aspirateur robot. C'est super efficace. Et moi, c'est le genre d'appareil ménager dont je ne me passe plus vraiment. C'est même mille fois mieux qu'un aspirateur balai. Vous le lancez et ça aspire tellement bien. Donc ici je travaille avec Yedi et je collabore avec eux. Ils m'ont envoyé le tout nouvel aspirateur qui vient tout juste de sortir. Donc c'est le Yedi VAC 2 Pro. Donc c'est un aspirateur robot. Il a une serpillière,
Il se présente comme ceci, donc il suffit juste de remplir le petit réservoir d'eau. Et moi, ce que j'aime faire aussi, c'est d'asperger de produits ménagers sur la serpillière directement. Donc voilà, il suffit de le glisser en dessous. Et il a bien sûr la fonction aspirateur. Il a une fonction de nettoyage oscillant, comme vous pouvez le voir, ça imite en fait les mouvements de la main. Quand nous on prend un torchon et qu'on frotte, on fait souvent des mouvements de la gauche vers la droite. Et ben là le robot il fait pareil. Donc là j'ai mis des traces de café comme d'hab pour vous montrer un petit peu l'efficacité. Et franchement il a très bien nettoyé, ce qui est plutôt cool hein, parce que quand j'aurai mon bébé qui va tout salir à côté de sa table à manger, ben, je serai contente de lancer après. La serpillière, l'aspirateur juste à côté, comme ça ben, il va nettoyer. Par contre, lancer l'aspirateur directement dès qu'il y a quelque chose qui est tombé par terre et tout ça, comme ça n'a pas le temps de sécher, comme ça sera plus efficace. Il est capable d'éviter les obstacles parce qu'il a une fonction 3D obstacle, un truc comme ça. Mais par contre, cette option-là, vous devez la cocher dans votre application lorsque vous faites votre cartographie parce qu'elle n'est pas cochée par défaut. Et c'est tout simplement, là j'ai illustré avec des chaussures comme ça que j'ai mis au milieu de la pièce. Mais tout simplement, lorsque bah, je lance vite mon aspirateur le matin, j'ai pas spécialement envie de monter toutes les chaussures qui sont en général au sol. En hauteur, je les laisse par terre et il a la possibilité bah, justement de passer à côté sans tout bouger quoi. Donc il a une cartographie visuelle et une navigation intelligente, ce qui lui permet tout simplement de scanner tout votre logement. Donc faites bien la cartographie, suivez bien les instructions de début quand vous recevez votre appareil. Faites bien toutes les étapes nécessaires, comme ça il va éviter de se perdre par la suite. Donc soyez patient, au début il faut quand même bien prendre le temps de tout scanner. Et ensuite moi ce que j'ai fait c'est que je divise toujours par pièce. Comme ça ben, par exemple si un jour je veux nettoyer uniquement la salle de bain, ben, j'ai juste à cocher salle de bain comme ici et lancer l'aspirateur dans la salle de bain, il va uniquement se diriger vers là-bas. Donc ça, je trouve ça super pratique. Donc voilà les amis, c'est tout pour la petite parenthèse sur l'aspirateur. Donc ça c'est une tâche qu'on fait tous les matins. Je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, ce que je fais tous les matins, bien évidemment, c'est de préparer le cartable du petit. Donc, je fais ça le matin, je ne fais pas la veille, tout simplement parce que Liam, il mange au repas chaud. Donc, j'ai juste à mettre ses petites collations dans sa boîte, remplir sa gourde d'eau et c'est réglé. Donc, ça prend vraiment pas de temps de faire ça. Ça devient difficile à mettre ses chaussures. Je mets des petites hugs, tranquille. C'est serré avec mes chaussettes. Vous êtes peut-être maman, tes chaussettes, c'est bon. Super. Allez, viens mettre ta veste, on y va. Ok, j'arrive. Allez, où tourne notre veste? Dans la voiture. Ah, elle est dans la voiture. Ensuite, c'est marche jusqu'à l'école, matin et soir. Ça me permet tout simplement de bouger, qu'il y ait la pluie ou pas. Qu'il fasse froid ou pas, nous on marche tous les matins et tous les soirs, ça permet au moins de bouger. Ça fait 40 minutes, 40 minutes au total, donc ça fait du bien. Et comme ça, on se balade. T'es pas fatigué de faire du bruit? Dès que je rentre à la maison, là je continue ma routine make-up parce que le matin, comme vous avez vu, je me lave juste les dents, je mets mes crèmes et tout ça. Ensuite, je dépose le petit à l'école et quand je rentre seulement, là, je me maquille vite fait, je brosse mes cheveux et tout. Donc voilà, si vraiment j'ai le temps de le faire avant, je le fais avant. Mais sinon, en général, c'est souvent après, une fois que je suis rentrée, que je fais ça, quoi. J'utilise ce fond de teint ici. Je l'ai acheté aux États-Unis, il est vraiment bien. De L'Oréal, je ne sais pas s'il le vend en Europe. Il est vraiment foncé par rapport à ma peau, mais ça ne me dérange pas, Après, je blende bien le tout. L'anti-cerne, c'est celui-ci de chez Too Faced. Et ça, vous pouvez le retrouver. Et il est juste génial. Parfois, je mets juste en été, en général, je mets juste ça un petit peu sur les cernes, je mets un petit peu sur tout le visage. Je blende un petit peu sur mon visage. Et c'est tout. Moi, je mets pas de fond de teint. Juste en hiver que je mets un fond de teint. Mais celui-ci, il est trop bien. Et j'utilise la teinte Almond. Surtout mon visage, une fois que j'ai mis les produits liquides. Je me mets comme ça parce que sinon ça éclabousse sur mes vêtements.
J'ai ce trio ici de chez CoverGirl, donc c'est aussi j'ai acheté aux États-Unis. Pas cher du tout, et là il y a tout ce dont j'ai besoin, à savoir bronzer, blush et highlighter. Voilà. Et sur mes paupières, j'utilise également ça. Je mets ça et ça comme fard à paupières. Voilà. Je mets vraiment ça vite fait et après j'estompe. Et pour le mascara, j'utilise le télescopique de L'Oréal. Stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Il est l'heure pour moi de prendre mon petit déjeuner. Donc ce que je vais faire pour mon petit déjeuner ce matin, c'est un smoothie. Voilà, j'adore les smoothies, je pense que vous le savez maintenant. Je ne vais pas faire un smoothie bowl, mais je vais faire un smoothie liquide que je vais accompagner de deux petites gaufres avec la confiture. En ce moment, comme je vous l'ai dit, le naturel revient au galop. C'est-à-dire que mes petits déjeuners, on oublie le salé. Au début de la grossesse, je mangeais des œufs avec du kéri. Là, je ne peux plus voir les œufs en peinture le matin, je mange absolument pas salé. J'avais bien le pain toasté avec du beurre. Là, impossible. Il me faut mon petit déjeuner sucré le matin. C'est un truc de fou, comme le naturel revient petit à petit. Donc je me fais quand même un bon smoothie. En général, c'est un verre plus un demi-verre. Je le bois vraiment en entier parce que j'adore ça. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon smoothie? Une demi-banane congelée. Donc ça, c'est des bananes bien mûres que j'achète. Enfin, soit je laisse mûrir, soit je les achète déjà bien mûres. Comme ça, je peux directement les couper. Je me casse pas la tête à les couper en petits morceaux. Moi, je les coupe en deux, je les mets dans mon sachet de congélation et c'est réglé. Et hop. Pareil, les épinards sont déjà lavés à l'avance. Je les mets au congélateur. Et je les utilise très souvent dans mes smoothies. Une poignée d'épinards. Et je vais rajouter aussi ce petit mélange ici de chez Deleuze que j'aime beaucoup. Il y a mangue, melon, ananas. C'est déjà découpé, c'est déjà épluché. C'est super pratique. Je rajoute aussi une cuillère à café de graines de chia, mini cuillère à café de spiruline, genre peut-être un quart quoi. Si je mets trop de spiruline dedans, je déteste le goût de la spiruline, ça me donne envie de vomir, donc un tout petit peu quoi. Je mets bien évidemment du beurre de cacahuète, c'est ça en fait qui va vraiment me rassasier, me remplir bien l'estomac. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de gras dans votre smoothie. Et j'utilise en ce moment celui de la marque Coro, une cuillère à café. De beurre de cacahuète. Et je vais mettre du lait d'amande. À moitié. Un peu plus de la moitié. Et l'autre moitié, je mets de l'eau. Bon, de toute façon, de la d'amande, c'est bien cassé avec blindé dehors. Donc. Mais voilà. Really makes me wonder. C'est la recette des gaufres express que je vous ai déjà partagée. Je la copierai de toute façon, je la mettrai en barre d'infos. Et ce que je fais moi, parce que le lendemain elles sont forcément toutes ramollies, je les passe au grille-pain. Comme ça, ça sera un petit peu plus croustillant. Avec les petits gaufres et la confiture de fraises par-dessus. Voilà. And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold? Et voilà, du coup,
j'ai mon bon smoothie juste ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... il est 11h24, je vais répondre à tous les commentaires de la dernière vidéo YouTube de dimanche parce que j'ai pas encore pris le temps d'y répondre. Lundi j'ai fait une journée totale off où je me suis reposée, où j'étais pas sur les réseaux et tout et tout. Hier, mardi, j'ai fait du meal prep, j'ai filmé, etc. Du coup j'étais vraiment... ça m'a pris quand même pas mal de temps de tout filmer et tout et tout. J'étais vraiment clairement crevée. Et du coup, bah voilà, là on est déjà mercredi, il est temps de répondre à tous mes petits commentaires des personnes qui me parlent, enfin qui commentent toutes mes vidéos et tout ça. Et je vais aussi répondre aux MP sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce que c'est là-bas que je partage tous les jours. Et voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Je me bloque une heure jusqu'à 12h30 et ensuite je terminerai le montage de cette vidéo. Comme ça, je pourrais l'envoyer parce que cette vidéo, comme elle doit être validée par une marque, il faut toujours avoir un certain délai d'avance avant la publication pour voir si c'est validé, si c'est pas validé, etc. Et comme ça, au moins c'est fait quoi. Et je pourrais barrer sur ma to-do list cette vidéo et ce sera fait. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite morning routine vous aura plu. Voilà, tout en simplicité, c'est ce que je fais. C'est vraiment mon quotidien de tous les jours. Plus ou moins tous les matins, c'est comme ça. Parfois, l'heure varie. Aujourd'hui, je me suis réveillée, il était 6h30. Je me réveille naturellement sans réveil, donc ça, c'est cool. Parfois, je me réveille plutôt à 5h30. Parfois, j'ai des petites insomnies la nuit qui m'empêchent de continuer de dormir. Du coup, je traîne jusqu'au lit jusqu'à 5h du matin. Puis, comme j'arrive toujours pas à m'endormir, je finis par me lever. Mais ce matin, ça a été, hein, il a commencé à faire un petit peu lumineux. J'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée à mon aise, j'ai profité, j'ai fait mes petits trucs, et voilà. Et voilà, tout simplement, mais pas en général, c'est entre 6h et 6h30 que je me réveille. Mais voilà, j'aime bien cette petite routine. Ben voilà, écoutez, je vous laisse ici les amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Until winter comes, until winter comes, it really makes me wonder.